Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler des comptes qui vendent des plantes, qui vendent des accessoires pour les plantes et des accessoires pour nous à base de motifs de plantes. C'est parti. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à écouter toutes les informations que je vais vous donner. Il y a pas mal de comptes à passer en revue, donc à chaque fois je vous mettrai une petite vidéo juste ici avec les comptes Instagram des personnes. Comme ça, vous pourrez directement vous abonner à leur compte si ça vous intéresse. Alors, je vais vous parler donc en premier lieu de Brume la Boutique. Brume la Boutique, donc c'est une boutique de base qui est une boutique ambulante sur l'île. Et désormais, depuis pas très longtemps, vous avez un e-shop ouvert avec un envoi dans toute la France. Donc ça, c'est trop chouette, ça permet d'avoir des plantes à des prix vraiment raisonnables qui sont très très bien emballées et des plantes de qualité. Ensuite, je vais vous parler du jardin de Laura. Donc Laura, elle a un projet en cours, donc c'est un plant truck. Donc il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle a fait ça avec son copain, son beau-frère, sa belle-sœur. Et ils ont rénové donc une vieille bétaillère pour faire le tour de la France, en fait, passer dans toutes les villes et vous vendre des plantes. Donc moi, j'ai trop hâte que ce projet se concrétise. Ensuite, nous avons Bouture Parent. Donc Bouture Parent, c'est une boutique Etsy. Les personnes qui sont à la base de cette boutique, c'est Trackers Queen, que j'aime beaucoup. C'est une personne vraiment très adorable avec qui je parle régulièrement. Donc si je ne me trompe pas non plus, elle a fait ça avec son copain. Et dès qu'elle fait des ventes donc, de boutures, elle vous met les infos dans sa story et dans la story de Bouture Parent. Ensuite, nous avons Bulbe Bizarre. Bulbe Bizarre, c'est un e-shop de plantes de bonne qualité et varié, donc à des prix aussi également très corrects, et qu'il y a quand même pas mal de choix. Oh My Plant, donc Oh My Plant, c'est un e-shop donc, de vente de plantes. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce site, c'est que en fait, c'est très ludique. Vous avez la possibilité de choisir des plantes en fonction de votre luminosité, du positionnement des plantes que chez vous. Voilà, si vous souhaitez le mettre sur un balcon, si vous souhaitez le mettre dans une pièce où il n'y a pas énormément de lumière, où il y a beaucoup de lumière, voilà. Vous pouvez vraiment choisir le type de plante en fonction du positionnement et de la luminosité. Donc ça, c'est chouette, ça permet de ne pas se tromper quand on démarre. What the Flower. Donc What the Flower, c'est un compte qui existe depuis très longtemps maintenant. Ça a été, il me semble, un des premiers shops de plantes, en tout cas moi, que j'ai découvert sur Instagram. Et donc du coup, il y a une boutique à Paris où vous pouvez directement vous rendre pour acheter des plantes. Et également, il y a un salon de coiffure où les colorations sont végétales. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et du coup, vous avez également la boutique en ligne où vous pouvez commander les plantes. Et toutes les semaines, c'est actualisé. Il y a des plantes plus ou moins rares. Moi, je sais que j'ai déjà fait des petites listes, mais à chaque fois que je reviens, c'est trop tard, rupture de stock. Donc je pense également que si vous avez des coups de cœur, il faut foncer. Ensuite, petite découverte pour ma part, c'est la pousse verte. Donc c'est une box végétale entre guillemets où vous avez chaque mois une plante, une illustration et une petite surprise. Donc ça, je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est vrai que pour faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez prendre plusieurs mois de box, ou même pour vous, si vous avez envie de tester, vous pouvez la prendre une fois, pour 2 mois, pour 3 mois, et bien évidemment, plus vous prenez de mois, moins le prix est cher, voilà. Mais ça peut être vraiment sympa d'avoir une box qui arrive à la maison avec une plante qu'on découvre, ou voilà, le côté un peu surprise, je trouve ça vachement sympa, et c'est vrai que en termes de plantes, il y a des box qui existent un petit peu de tout, mais plantes, j'avais jamais vu, donc je trouve ça vraiment chouette. Lily Simplicity, donc la personne qui se cache derrière ce compte, c'est Aurélie. C'est une personne aussi vraiment très gentille, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Elle est vraiment passionnée de plantes, on voit que sur son site, il y a beaucoup de fiches plantes, donc ça c'est vraiment chouette quand on achète une nouvelle plante, de pouvoir un petit peu se renseigner dessus. Parce que ben moi j'ai pas la science infuse, donc je vous avoue que des fois je suis un peu perdue, je prends la plante, je me dis elle est jolie, et puis après je ne sais pas comment m'en occuper, voilà. Donc du coup je reviens à l'histoire principale. Aurélie, elle a mis en place une boutique en ligne qui s'appelle mylittleplant.fr, et vous pouvez donc trouver des cache-pots, des cloches en fait pour mettre vos plantes à l'intérieur, des tuteurs, il y a vraiment beaucoup de choses. Les cache-pots sont vraiment super jolis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Jolie Plante Shop.
Jolie Plant Shop, c'est un e-shop d'accessoires en ligne pour les plantes. Donc moi, je sais que j'avais découvert ce site parce que j'avais découvert les cache-pots de Frida Kahlo. Et bon, moi j'aime bien Frida Kahlo, mais j'ai une amie qui est absolument fan de Frida. Donc c'est vrai que je me suis dit que bon, un idée cadeau, ça peut être vraiment top. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres cache-pots avec plein d'autres styles. Il y a des choses vraiment très jolies. Donc du coup, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Ensuite, whitejungle.be. Donc whitejungle.be, c'est donc cette fois-ci une entreprise qui est belge et pas française, mais je trouvais vraiment important de vous en parler parce que les créations de Céline sont vraiment très jolies. Je vais essayer de ne pas la dévaliser pour les fêtes parce que à chaque fois que je vais sur son site, j'ai envie de tout acheter. Donc du coup, son site principal, c'est idoitmyself.be. Elle a aussi beaucoup d'astuces DIY. Sa déco est vraiment très épurée. Vraiment, on est sur des choses très blanches, très douces. C'est top. Et ses idées donc, de DIY sont aussi super chouettes. Avec de la récup, on peut faire des choses au final on n'aurait pas du tout pensé. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa page et sa boutique du coup par la même occasion. Mon gang vert. Donc cette jeune fille vend des macramés, donc des suspensions en macramé qu'elle réalise elle-même pour les plantes. Donc si vous avez des plantes que vous voulez accrocher en hauteur ou quoi, c'est vraiment top. Et également des petits porte-clés. Donc ça, c'est trop mignon. Il faut voir après ce qu'elle met à jour sur sa boutique, donc il y a peut-être plein d'autres objets qui vont arriver. Moi, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai vu, mais n'hésitez pas à la contacter pour lui demander ce qu'elle peut proposer d'autre. Agatubabe céramique. Donc Agatubabe céramique, ce sont des créations artisanales en céramique. Donc vous avez des oyas, des bobèches, des choses vraiment bien travaillées, c'est vraiment très joli. La seule chose, c'est que c'est des quantités limitées. Donc si vous êtes comme moi et que vous arrivez toujours après la bataille, il n'y aura plus rien. Voilà, donc il faut vraiment regarder régulièrement ces stories, voir quand c'est que seront les dates de ces ventes pour pouvoir profiter de ces objets-là et acquérir de beaux oyas, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très jolis. Et pour les plantes, c'est super pratique quoi, quand on veut leur garder une humidité en permanence, c'est vraiment chouette. Jungle Paper. Donc Jungle Paper, c'est une page que j'aime beaucoup. C'est des illustrations en fait de plantes, le dessin est vraiment très beau. Et là, prochainement, j'ai vu que la boutique allait ouvrir, donc sûrement un e-shop avec la possibilité d'acheter des illustrations. C'est bien aussi quand on a certaines plantes qu'on aime, qu'on peut pas avoir parce qu'on sait qu'elles ne vivent pas bien chez nous, si on a un air trop sec et que l'humidificateur ne convient pas suffisamment, si, je ne sais pas, si on a une variété qu'on n'arrive pas à tenir en vie, on peut se consoler avec une illustration de cette plante-là. Voilà, il faut voir le bon côté des choses, il y a cette possibilité. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page, au moins déjà pour observer les belles illustrations qui sont proposées et après par la suite peut-être aller voir sa boutique quand elle sera ouverte. Donc ensuite nous avons Kathleen Billond. Kathleen Billond, c'est une jeune fille que j'ai découvert il y a très peu de temps et j'ai vraiment craqué sur son e-shop parce qu'elle, elle fait des bijoux dorés à leur fin. Et ce sont des bijoux en forme de feuilles ou de petites plantes, mais alors elle a des bouts d'oreilles Monstera. Magnifique. Donc pour les cadeaux, ou même pour vous faire un cadeau, ou si vous-même vous recherchez quelque chose à vous faire offrir, c'est vraiment top, parce que quand on aime les plantes et qu'on veut pas non plus quelque chose d'extravagant, juste un petit détail ou quelque chose qui va faire la différence, ben vous allez, à mon avis, trouver votre bonheur chez elle. Pour finir, je vais vous parler du coup de moi-même mon e-shop, bien évidemment. Donc je réalise des accessoires zéro déchet aux motifs végétaux, donc que ce soit floraux ou des plantes, on a un petit peu de tout. Donc c'est personnalisable, une palette de motifs disponible. Et donc je propose pour le moment sur ma boutique des cotons lavables avec les panières assorties, des bigernos, donc ce sont des serviettes en microfibre de bambou pour sécher vos cheveux quand vous sortez de la douche. Donc vous pré-séchez vos cheveux, ensuite vous la placez. Et l'avantage, c'est que c'est joli. Donc vous n'avez pas cette grosse serviette qui tient sur la tête qui va tomber. Vous n'êtes pas obligé de les sécher de suite et de leur apporter la chaleur qu'ils n'ont pas besoin. Voilà. Vous enroulez vos cheveux à l'intérieur, vous fixez sur le haut de votre petit crâne et vos cheveux vont sécher tout seuls. Et si vous recevez du monde, vous restez convenable. Ça, c'est chouette. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur ma boutique. Pour les fêtes, je vais sortir des petites nouveautés.
Donc pareil, vous pouvez vous abonner à ma page pour suivre un petit peu les produits qui vont arriver. Et si vous avez des demandes spéciales également, vous pouvez m'en faire part, soit m'envoyer un message via mon e-shop, soit un message sur Instagram, les ventes étant possibles sur les deux plateformes. Voilà.